Dans cet exercice que nous avons là sur le tableau, nous allons simplifier certaines expressions trigonométriques pour nos enfants. Là, nous avons sinus θ par secant θ. On va écrire ça plus simplement. D'abord, on doit définir, savoir ce que c'est secant θ. Secant θ, c'est 1 sur cosinus θ. Donc, ça veut dire que ça va être égal à sinus θ, d'accord, que nous multiplions par secant θ qui est égal à 1 sur cosinus θ. D'accord? Donc, A égale. Sinus θ par 1, ça fait sinus θ sur cosinus θ. D'accord? Or, sinus θ sur cosinus θ, ça fait tangente θ. Donc, vous voyez, nous écrivons plus simplement cette expression. Maintenant, sinus θ par cotangente θ. On va écrire ça plus simplement. Sinus θ, ici, cotangente θ, c'est quoi? C'est cosinus θ sur sinus θ. Donc maintenant, mes chers amis, on peut simplifier par sinus θ. Il va rester tout simplement cosinus θ. Voilà comment on écrit ça plus simplement. Cosinus θ par tangente θ. Eh bien, rapidement, la tangente θ, c'est sinus θ sur cos θ. Donc ça va faire cosinus θ par sinus θ sur cosinus θ. Donc on peut simplifier par cosinus θ. Il va rester sinus θ. Voilà comment on écrit plus simplement l'expression. Maintenant, cosinus θ par cosécant θ. C'est quoi cosécant θ? On sait que cosécant θ, c'est 1 sur sinus θ. Donc maintenant, D égale cosinus θ par 1, ça fait cosinus θ sur sinus θ. Or, par définition, cosinus θ sur sinus θ, ça fait cotangente θ. Voilà comment on simplifie D. Maintenant, nous avons sinus θ, secant θ par cotangent θ. Eh bien, rapidement, sinus θ, secant θ, c'est 1 sur cosinus θ, par, ici, cotangent θ, c'est cosinus θ sur sinus θ. Donc, vous êtes d'accord? Sinus θ, on simplifie. Cosinus θ sous cosinus θ, on simplifie. Il va rester simplement 1. Donc, E égale à 1, on écrit ça plus simplement. Maintenant, nous avons secant θ par cosinus carré θ. Encore, on va utiliser la définition de la secante. Secante, c'est 1 sur cosinus θ. Tout ceci par cosinus carré θ. Donc, ça va faire ici, cosinus carré θ par 1, ça fait cosinus carré θ divisé par cosinus θ. En simplifiant par cosinus θ, il va rester tout simplement cosinus θ. Voilà donc la simplification. Maintenant, sinus carré θ par cosécant carré θ, ça fait quoi? On va utiliser la définition de cosécant, donc ça va faire ici sinus carré θ par cosécant carré θ, c'est quoi? C'est 1 sur sinus carré θ, d'accord? C'est cosécant, c'est 1 sur sinus, cosécant carré θ, c'est 1 sur sinus carré θ. Sinus carré θ, on simplifie, donc G égale à 1. Voilà donc la simplification. Enfin, cosinus carré θ par secant carré θ. Donc, ça va faire ici cosinus carré θ par secant carré θ. C'est quoi? C'est 1 sur cosinus carré θ. Nous simplifions par cosinus carré θ. Donc, H égale à 1.